Et vendredi soir de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, écris ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Football Plus. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football plus, je suis ça non. Ay, se le ve.
les mêmes gens. Les footballeurs de Haïti va négocier. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, et je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Football Plus, nous pour laguer et mesdames, messieurs, Barcelone éliminé jeudi à la na Europa League là. Équipe Barcelone na li sorti na compétition. Est-ce que nous capable parler de yon déception pour équipe Barcelone na? Est-ce que nous ka condamné staff technique là, Xavi, tout ça après résultat jodi a? Nous connaît défaite par jambe douce. Nous pas capable de dire que ça pas rien, ça pas dérangé et défaite là pas jambe défaite quand même. Ah, mais qui ça nous t'a capable de dire là? Xavi parlait de déception. Mion match Barcelone. Mion match que Barcelone, à mon avis, t'a dû gagner aujourd'hui. Barcelone t'a dû gagner match là, à mon humble avis. C'est pas un match qui t'a paraît trop difficile. N'a pas venu sous bagaille ça.
et puis Real Madrid et a continué préparer pour aller gagner classico et pour aller gagner classico pas classico plutôt derby derby madrilène dimanche cap vini là dimanche cap vini là pour aller gagner derby madrilène entre Real Madrid et AT gagner gagner deux joueurs Real Madrid carrément qui papé dans derby là. Et puis a gagné gain résultat Europa League là qui fait jodi a nous va voir ça ensemble en pile belle information déclaration que Vinicius Junior li fait émission Football Plus nous parle ba ou en pile belle information à soya Lionel Messi dossier Messi a toujours à faire et toujours à faire parler de lui dossier Messi a et Ten Hag li parle tout après match là jodi a l'entraîneur de Manchester United sur réseaux sociaux yo moun yo yo faouché et yo faouché Barcelone en pile fanatique à Real Madrid yo à Madrid yo charré élimination Barcelone nan c'est en pile parler en pile en Espagne fanatique Real Madrid yo à Madrid nan capitale espagnole là après élimination FC Barcelone nan Europa League là yo charré élimination Barcelone nan fanatique et Barcelone yo même yo plus misé kounye a sou liga et bien yo pa gen problème yo replié yo kounye a c'est pour une question de liga et kounye a pour rete alors Barcelone yo nan façon que yo pour essayer redorer blason yo c'est al gagner liga après ça qui passé jodi à là c'est al gagner liga et c'est meilleure façon que Barcelone pour aller chercher redorer blason li jodi à Barcelone qui éliminé dans compétition Europa League là alors Navarre en pile belle information avec vous mais nous connaît premier service que nous toujours mandé pour rendre émission hein c'est partager live là pour nous ou aider nous en façon par où pour que émission a toujours camp et toujours avancer et puis gen moun qui pour commencer là qui te quelques étoiles pour technicien non Lens Nelson on lui mérite ça lui même qui a fait un travail de main de maître technicien non Lens Nelson gros travail, gros technicien et tout le monde voyez live là sous tout groupe. C'est seulement ça mando. Mikel Ocheri connaît ça pour le faire. Mikel Ocheri fait ça très bien et tout monsieur Alex Santonax, monsieur nous connaît émission c'est pour nous. En pile belle information que nous pour partager avec aujourd'hui à dans émission Football Plus. Est-ce que nous tout partager live là et live là pour moi et bien depuis nous partager lui c'est que Nous dîmes que nous qu'a commencé. Nous qu'a commencé émission. Côté m'a commencé. Bon commencé. Moi saluer nous toutes. Nous connaît salutation en li. Moi pas gain et salutation en li moi bien aimé fait ça. Moi saluer nous toutes, moi connaît importance nous. Alors si vous à peine branché live là, si c'est première fois ou brancher nous toujours entrer dans rubrique salutation avant même que nous rentrer dans détail information nous bayon idée de information que nous pour débattre après ça nous entrer dans rubrique salutation nous dit bon Dieu merci qui permet que nous passer une bonne journée en toute chose il faut que nous remercier bon Dieu même moun yo tout qui fait sacrifice pour tande nous yon salutation pas déranger en rien yo fait sacrifice yo yo tande nou mais nou ka saluer tout mes amis même si nou pa ka saluer tout moun mais gen des moun se met émission yo moun sa yo ou pa ka rentrer dans émission sans que pa saluer yo yo ap camper ap di jide ou voler ou brûler lumière ou jouer là ou fait yon erreur ou commettre yon infraction et nou saluer watcha
Watch à Philippe, bonsoir JD, moi, ouais, ou Guerlain Jean. Ça aussi met émission, hein, Guerlain Jean, Michel Ocheri. Michel Ocheri. Et bonsoir Pasteur Jean-David, merci Michel Ocheri. Et watch à Philippe, bonsoir Fiel, moi, yo. Watch à Philippe, oh, c'est par une émission. Watch à Philippe, c'est par une émission. Et Michel Ocheri, il est bon. Si watch à Philippe, par une émission. Et Michel Ocheri, c'est grand frère émission. Michel Ocheri. Et Kelly Floréal, Floréal Kelly, bonsoir JD. Et il fait Joachim, ça c'est mettre émission en tout. Et il fait Joachim, gagner Fédelin Jean. Merci beaucoup. Et Wilfana, Seïda, Wilfana, Judas Saint-Martin. Saint-Martin, Judas. Bonsoir JD, moi branché depuis Florida. Merci beaucoup. Jude, continuez à voir link là-bas. L'autre zami ou gagner Florida, pour continuer à tendre émission pour moi. Et aux États-Unis, tout de côté. M'vle envahir États-Unis en Jude. Ça, non, mais entendez, dégagez-vous. Sonder Lipierre, JD m'a écouté aujourd'hui, hein. Et m'gagne le gros depuis Boston. L'inise le gros. Dégagez-vous pour partager live là. Sous tout groupe, koto, yé, sous Facebook, WhatsApp, tout côté pour que yo, et m'envahir États-Unis. L'inise le gros, c'est marraine émission, hein. L'inise le gros. Dieu vers son petit, on moins salué où? Salut Bonda, Dieu Verson, et vous faites ça? Et Joachim, il fait Joachim. Jean-Enoch, merci beaucoup Jean-Enoch, moi salue vous. Saint-Ilma le gros Saint-Ilma. Bonsoir tout le monde, football plus, et branché JD, merci le gros. Claude Fanor, Michel Ocheri, les Guerlain Jean, comment est-ce que Michel Ocheri? Nathan Pierre, moi salue où? Anjiji Jean, 80, alors, à ce moment, pas sur radio, non, Anjiji. Anjiji, c'est seulement sur Facebook là, avec YouTube là. Si vous avez besoin l'autre monde de se partager, seulement pour partager live là, pour nous assurer, même si vous allez sur radio, nous connaissons les lundi, jeudi, samedi, moi pas sur radio, c'est seulement sur radio Nirvana Sport Facebook là, avec YouTube là. Linise Le Gros, merci Linise. Alexandre Tonax, bonsoir tout le monde, Alexandre Tonax. Sonder Lipierre, merci beaucoup. Linise Le Gros, bonsoir tout le monde. Pour commencer l'émission, Guerlain Jean, Neg en forme, merci Guerlain Jean. Tout le monde, Esaïe, Jeffra Esaïe. Neg Barcelone, vous connaissez nous pour un courrier là. Moi-même, c'est Real Madrid. Moi-même, pas trahir Real Madrid. Leur grand monde, yon mot, était yon mot. Moi, c'est Real Madrid, moi-même. Et Kesslina, Fizeme Kesslina. Bonsoir JD ou point coup. Non, yo point coup. Kesslina, c'est pas moi qui point coup. Yo point coup. Ou confond moi avec yo point coup. Patrick Gracia Patrick, dis nous là oui Michelo c'est gros fanatique Real Madrid. Mon gars Michelo content là jodi. Mon gars Michelo content. Alexandre Tonax, bonsoir JD, bonsoir tout le monde. Alexandre Tonax, Johnny Delva, oh mbot ko Johnny Delva vrai non? Johnny Delva bien content moi ou et en bas live là jodi. OK, bon montrer une information yo et m'a retourné encore et Lucien Joseph, bonsoir tout le monde, et puis condoléances. Lucien souhaite nous condoléances. Oui, là, Stevenson, Monero Stevenson, JD moins branché au début Champin. Stevenson, Monero, merci Stevenson. Alexandre Tonax, Alex, m'gonno content, Johnny Delva. Et Johnny dit, Johnny content, papa, papa. JD côté, mais moi là. Et moi là, et Dulcio, Kesslina, Dulcio, Stevenson, moi là tout, et Watcha Philistin, n'est-ce que content, Johnny Delva, ok, les voisins, point coup, moi comment nous content, Napchare, n'est-ce que pas levé, là nous point coup tout, yo pas levé, là nous point coup, et Lucien Joseph, ok, moi tout le monde, moi yo là, Stevenson Moreno, et qui est ça, Stevenson, et qui l'a avec nous. Et Stevenson Moreno qui... Stevenson Moreno, merci beaucoup. Et est-ce que jusqu'à présent tout bagaille ok? Stevenson Moreno, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, on va commencer... émission AP.
Nous allons continuer avec l'émission. À tout le monde qui branche nous, quel que soit côté, et que vous branchez nous, nous saluons, nous allons rentrer dans l'information. Tout le monde qui branche nous, nous allons rentrer dans l'information, dans le détail information. Moi, saluer nous tout à moi, remercie nous, merci pour écoute nous, pour fidélité nous. Moi, remercie nous. Et moi, remercie nous. Merci parce que nous partager live là. Capable tendre émission. Et pour permettre plus de monde capable tendre émission avec nous. On va aller avec information yo. Capable tendre émission avec nous. OK. Nous n'a continué émission. On a continué. On a continué émission. OK. Bah aller avec information yo à l'étranger directement. M'balle avec information à l'étranger et directement. Ouais. M'balle à l'étranger et directement. Gagné équipe Liverpool là. Liverpool qui gagnait au terme de rencontre plus tendue, mais aussi intense, mesdames, messieurs. Qui te gagné semaine passée là? Élimination directe obligée, Manchester United li qualifié pour les huitièmes de finale dans la Ligue Europa au dépens du FC Barcelone, 2-1 jeudi. Dans le cadre barrage à retour de partout à l'aller. Comme aucun nous, le match était parti très 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 fort dans Old Trafford là, avec un homme déterminant. Dans deux sens. Fernandes, Casemiro, il était d'abord servi portugais, mais qui était web poteau. Mais alors, Bruno Fernandes, il était échoué là face à Otestegen. Et face à Ter Stegen, yon premier raté pour l'équipe Manchester United là. Servi yon deuxième fois avec yon faute aussi bête que lui-même l'était fait Balde dans surface là. Le point de penalty que fait sur Balde, eh bien, penalty Bob Lewandowski, li prend ballon li, c'est Bob Lewandowski qui t'a marqué premier goal dans match football là. Bob Lewandowski li marqué pour équipe et pour équipe Barcelona. Bob là li marqué premier goal là. Alors et sur penalty, tout le monde te comprend que et Bob là tout le monde te comprend que c'est à poil et c'est à poil fini pour Barcelone. Barcelone déjà gagné, c'est ça que et tout le monde te pensé. Barcelone déjà gagné 1-0. Et pour FC Barcelone, l'équipe de United, Bob Lewandowski, c'est lui qui te joint premier goal là, l'ouverture du score, sur un penalty que vous fait sous Balde. Et Balde, arbitre là, pas te hésité pour qu'il te a octroyé penalty à Bob Lewandowski. T'as quoi regarder là, Meli, Bob Lewandowski, monsieur mettez ballon hein, et non filet malgré De Gea tiré bas, De Gea teke ballon hein, mais Bob li marqué goal là quand même 1-0. Équipe Barcelona 1-0 pour bas, 1-0 pour Barcelone. 1-0 pour l'équipe Barcelona. Barcelone a mené 1-0 et dans match football là, Bob Lewandowski, c'est lui-même qui t'a marqué premier goal dans match football là pour le FC Barcelone. Et comme aucun nous
comme aucun nous, match là, l'Itapoual a relancé 1-0. Équipe Liverpool là, il était timidement répondre avec deux frissons signés Fernandez, Bruno Fernandez avec Fred, mais sans vraiment inquiéter gardien équipe Barcelona. En revanche, celui de Manchester United, il était failli définitivement plomber. Et juste avant, et pose là, avec un relance, dans pied, Sergio Roberto qui partait profiter et Casemiro était là pour te freiner une action que Tifon Kessié t'a fait. Eric Ten Hag li t'a suivre, li t'est calme pour te connaître qui ça t'a pas fait. 2 minutes après reprise, Barcelone finit première mi-temps à mener 1-0. Bruno Fernandes a trouvé Fred aux abords de la surface de très tôt dans deuxième mi-temps et le Brésilien li pas été forcé. Le Brésilien Fred pour te marquer premier goal pour l'équipe Manchester United là, juste derrière Anthony qui t'est failli by avantage là au Reed de Vilt sur un caviar de Casemiro, mais Christensen l'était reprend et ancien joueur Ajax là au dernier moment pour te empêcher que l'équipe United là te vienne à mener 2-1. Nous avons demi-heure du terme difficile pour que vous êtes capable de faire pronostic à 20 minutes un peu plus facile puisque Anthony Littera dans une rencontre là encore un peu plus folle, mesdames messieurs. Anthony Littrompe Testegen, yon retournement de situation finalement logique pour l'équipe Manchester United là. Et nous capables de témoigner yon nouveau et frisson signé Rashford juste derrière. Eh bien, malgré yon ultime alerta de Lewandowski, dont le ballon a été sauvé juste devant l'île par Raphaël Varane, depuis c'était capable de partout. Alors, Bob Lewandowski qui était aidé équipe et Barcelona, eh bien, pas te gagné en rien, qui était capable d'inquiéter. Et inquiéter équipe Barcelona, c'était 2-1, pas gain rien qui était capable d'inquiéter United de préférence. 2-1, United a gagné équipe Barcelona, 2-1, et Woodson, hein, docteur, mettez nom dans ce livre-là, oui, non, dans ce livre-là, Woodson, docteur, et pas gain aucun problème, 2-1, et pour équipe 2-1 pour équipe United. Là, United gagné. Tiwis JP. M'connais que pas content. Jean-Louis dit, il était occupé. Jude Deravine, merci beaucoup. Alors, Jodia là, Jude Deravine, Neg Poncou, United, Nabgade Fred, c'est 2 buteurs brésiliens, yo. C'est eux 2 à qui éliminer Barcelone. Ça fait Neg Brésilio, plus content toujours. Parce que c'est 2 Brésiliens, ça yo. Ou abgade sous écran, sous live là, c'est eux 2 à qui éliminer Barcelone. Anthony, avec Fred, Anthony monte dans deuxième mi-temps. Anthony n'a qu'à me virer avec ballon. Anthony monte dans deuxième mi-temps. Li tuer équipe Barcelona. Mais Fred, le Brésilien Fred, c'est lui-même tout qui t'a marqué premier goal là. Mais seul petit problème, pensez que mon Brésilio a gagné avec Nexayo. Les fanatiques Brésilio, assurément, y'a pas le moins de côté au terrier. Dans la Coupe du Monde là. Oui, yon fait que yon compte aujourd'hui, y'a pas aucun problème. Mais, nèg sa yon fait goal comme ça, pour qui ça dans la Coupe du Monde là, côté yon te besoin yon, équipe Brésil là, sélection Brésil là, te besoin yon, aujourd'hui, regardez comment yon éliminé Barcelone, même si fanatique Brésil yon content avec yon, parce que c'est yon 2 Brésiliens ça yon wap gade sous live là, c'est Anthony avec Fred, c'est yon 2 qui éliminé équipe Barcelona. Depuis, surtout là, c'est Brésilien qui élimine l'équipe Barcelona. On pas besoin de demander comment fanatique Real Madrid, fanatique Brésil, yo content parce que yo pas vle ouais non ça. Fanatique Brésil, yo pas vle ouais non Barcelona.
yo pas vle wè ça même jan tout nèg Argentine yo tout cette question de Real Madrid pas parler de bagay ça même bagay Brésil Real Madrid ça pas parler de ça Casemiro encore fait un travail de main de maître jodi a la gardon faute li fait sous Bob Lewandowski ou ouais action côté Brésil li prend carton jaune nan li connaît qui l'heure pour faire faute li connaît Casemiro Real Madrid perdu li mais Real Madrid poko gen remplaçant li même gen bagay que moi vle que nous connaît tout gen bagay que moi vle que nous connaît Balde tout qui joue un très bon match Balde qui jouait un très bon match à nous pas ignorer ça un très bon match de Balde mais faut que moi dis nous passer ça tout non Barcelone pas joué un plus mauvais match et passer ça au contraire moi-même bien étonné mais nous songeait tout me dit non. C'est ça que fait toujours dit nous pas qu'à rater émission ça c'est pas ça me toujours dit non. Nous pas songer. Gon bagay m'te dit de Barcelone. Et Barcelone Manchester United là dans émission lundi soir. M'te dit excusez-moi. M'dit ça me pour dire m'connais le sauvage. Mais excusez-moi. Nous pas songer ça m'te dit. Yon moun dit ça m'te dit à non bas live là dans émission lundi soir. Cela veut dire que si nous pas fait cob jodi a c'est pas moi. Si nous pas fait cob Jodia, c'est pas moi. Et depuis avant deux matchs ont été joués, gagné yon le, m'a fait émission là. M'di, Barcelone, poko j'aime perdu pour année 2023. Aïe. M'di, m'perd oui devant Bayern Munich pour ça pas fini. Cette question d'invincibilité Barcelone devant Bayern Munich, devant Manchester United, nous pas sûr de dire ça dans l'émission là. Il dit Barcelone poko j'ai perdu pour année 2023 devant Manchester United ah nous pas songer oublier mais mardi passé dans l'émission mardi a lundi a te gen carnaval dans l'émission lundi a le m'a parlé de Manchester United Barcelone me dit excusez-moi ça me boal di a fanatique Barcelone excusez-moi. Ça fait mal tout ça me pour le dire nous pas songer Johnny Delva pas songer samedi dit deux matchs Barcelone non Johnny Delva et Francilo Cherubin ou pas songer samedi Mikel Ocheri ou pas songer samedi dit deux matchs Barcelone non ben moi Mikel Ocheri dit JD ou t'es dit Manchester United gain 55% pour le qualifier effectivement lundi a m'vini là dans l'émission hein ndi fanatique yo excusez-moi ça me boal dia li ka déranger quelque monde mais c'est vérité m clair avec nous Manchester United moins bali 55% pour le qualifier même dit excusez-moi ça moi moi-même ça moi que Barcelone éliminé de dit nous ça lundi a moi dit ça dans émission lundi a moi dit nous excusez-moi moi-même ça me voir ça m'a bam que Barcelone éliminé. Alors je dis si nous pas fait cob m'ba voye moun ben ouais moi pas fait bare ça mais moun qui remet fait petit cob ayo et pendant matin moi rencontré avec un ami il dit moi m'bo aller et la gon bagay la oui pour Barcelone sort a dit là dit bon excusez-moi dit m'ba pour faire ça non. Je dis, mais moi-même, je connais que Barcelone a perdu aujourd'hui. Je dis, ok, on finit par le faire comme. Je dis, un message pour l'Italie avant de commencer l'émission. Je dis, ça me dit. Il dit, oui, tu dis ça, vraiment, mon cher, on prophète. Je dis, non, je ne suis pas un prophète. Même, moi, je fais lecture, je vais être là, moi. Parce que Barcelone, que moi, je connais que Barcelone, il n'y a pas qu'à exprimer lui dans l'Ultra Ford là. Je connais que Barcelone, poko gen élément assez Barcelone longtemps t'es capable à imposer oui Barcelone Messia mais expérience moins lecture pas nan jouet là te dit que Barcelone ça poko ka à imposer Barcelone Lionel Messia
t'as pas imposé le normalement. Barcelone, un gros petit problème avec Barcelone ça. Qui t'aime dire nous ça à soi. Lorsque niveau tant que Barcelone, Real Madrid, ou doit gagner dans bande devant ou Junior Celestin, ou doit gagner au moins deux buteurs par tenté, au moins qui dans bande devant. Au moins oui me dit, ça qui arrive au gain toi. Dernier compte me dit ou compter goal dans main yo. On nous prend Real Madrid. Real Madrid gain Benzema là comme buteur équipe là. Benzema c'est buteur équipe là. Mais Vinicius a beau goal tout. Valverde son l'autre vie, on l'autre vieux buteur. Valverde a beau goal. Ah Robi Tipitia, Rodrigo a beau goal. Ça que m'pa jouen nan bal. Ou m'pa même dit Asensio. Asensio même sou el sou bal monte la, li pa même besoin fan pile travail. Yon vieux tirk en ou le kap vire nan deuxième potoa, Asensio a bo sa. C'est ça que m'pa jouen nan Barcelone. Barcelone gen yon belle équipe. Et sur le terrain, on doit mettre équipe yon kampi la, wap gade Barcelone kap passe boule, ou après Barcelone passe boule plus bien que Real Madrid. Excusez-moi. Barcelone passe boule pi bien que Real Madrid. Ou capable plus remen jouet Barcelone nan. Mais Real Madrid a bon goal pi vite que Barcelone. Real Madrid gen plus option pour bay goal que Barcelone. Est-ce que nous tendez samedi a? Real Madrid gen plus option pour bay goal que Barcelone. Barcelone capable faire jouet la plus que Real Madrid. Ou capable kembe boule la plus comme à l'accoutumé, mais Real pas besoin faire un pile travail non pour Real Boyon Golan. Eder Militao, si beaucoup toi gagne doit ou le ballon ba Eder Militao. Militao lance Vinicius dans coin. Vinicius pété courir pa ta. Et puis Vinicius li font retrait pour Benzema dans 16 mètres là et puis Benzema ta. Nous samedi nous. Oh, me songe l'homme de qu'on joue football. M'songe l'homme de qu'on joue football. Pendant m'a dit tata, ça fait m'triste. M'songe l'homme de qu'on joue football. Le m'a joué pour lui, c'est Philippe Guerrier. Oh, pendant m'a dit tata. Quand m'senti, c'est moi qui sous terrain là. Et puis m'a fait merveille. Oui. Ok. M'songe un match que m'joué pour lui, c'est Philippe Guerrier. Marqué un autogol pour lui, c'est Eh, laisse à lycée a perdu 2-1. C'est moi qui font autogol. Et pour lycée a, machaté 1-1, font autogol. Lycée a perdu 2-1. Mais laisse à me jouer un gros match. Laisse à, c'est moi qui mérite meilleur joueur. Pour lycée Philippe Guerrier. Et laisse à. Oh, c'est ça, m'a dit là. Real Madrid, capable de baou un goal plus facile. Et que Barcelone. Et jouet Barcelona les plus animés. Et Claude Jean-Baptiste, m'était très bon. Daniel Joseph, m'était très bon le map joué football. Gros défenseur, gros défenseur, solide défenseur. M'était joué dans ASC Junior. ASC Junior, le saltéré les fortresses de la ASC. M'était joué là-dedans, le défenseur. M'gon palmarès riche. Dans TAS et Junior. Et puis pour la presse même, ah, ça c'est pas parlé. Bon, mais c'est là, me fait toute merveille, moi, dans le jouet là. Avec équipe la presse là, près de 30 goals que marqué dans carrière pour la presse. C'est pas bagay jouet. Yon joueur qui marqué 30 goals dans carrière li. Pour la presse, c'est pas bagay jouet. Me fait près de 12 goals à l'entraînement. Et pour la presse, me raté près de 6 goals. 6 à 8 goals. Me raté 8 goals pour la presse, ça déjà bon 20 goals. Et puis gagne 4 ballons frappé dans poteau ça bon 24 goals pour la presse. Alors belle bagaille net et mon palmarès riche dans équipe la presse là près de 30 goals. Me songe l'homme qu'on a joué. Alors Real Madrid ba ou goal plus facile que Barcelone. Real ou gagne doit ouais mon parfois mon doute de équipe Real là. Même gros ami qui dit jodi a mon cher Sim du Real ka champion encore pas dit menti dit mon cher connaît longtemps te ka dit menti mais kounya m'pa kouri de menti ou non là parce que Real m'pa comprendre gagner éliminer Real dans deux matchs kounya yon match ou ka surprendre Real mais pour éliminer Real dans deux matchs aller retour mon cher grand pile travail pour faire faut ta bon pile oui parce que là nèg Vinicius
Le nek Vinicius, Vinicius, Karim Benzema, Rodrigo yo déchaîné là, là pas quoi yo bon coup ta sanction encore sous là. Mon cher, pour pas prendre au moins yon deux gol nan men nek sa, yon nou deux gol mon cher. M'bawe comment pour ta camper non? M'bawe comment? Ou imagine ou fin batterie al nan match ale, et puis kounya match retour à Bernabé ou? Ah mon cher, pour pas prendre gol nan men Vinicius, Benzema, Rodrigo, Asensio, bon même Valverde, bon Valverde il pas besoin. Valverde il pas besoin rentrer dans surface là pour le bon goal. Nek Toni Kroos yo Luka Modric a tiré de loin. Ah mon cher, grand pile travail pour faire. Ou gen en pile travail pour faire pour pas prendre goal dans men nek sa yo. Est-ce que nous tendez? Ou gen en pile travail pour faire Edouard et Edouard Foja, pronostic fiable. Pronostic et fiable. Pas de problème, Yannick. Yannick, merci beaucoup. Islène, Ricardo Augustin. Augustin, Ricardo, Alouidor. Alouidor, merci beaucoup, Alouidor. Alouidor, Jameson, Alouidor. Charles Luventa, Johnny Delva, Militao, oui, Militao. Johnny Delva dit que tu connais jouer même Jacques Militao. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas menti. Bravo, Johnny Delva, c'est vérité. De qu'on joue même gens avec Militao, solide défenseur. Me songe un match à la presse avec mesdames yo, la presse avec sélection féminine nan. Le nan Pac Saint-Victor, là ça nul pour la presse. Et puis entraîneur Justin Dol se mette nan défense là moi même avec El Mundo. C'est nous qui avons joué nan défense là pour la presse nan Pac Saint-Victor. Match la serré, entraîneur a dit mieux match dans serré. Moi avec El Mundo, tout attaque mesdames yo fait nous croiser pas. Nous voyons ballon aller. Non pas que Saint-Victor. Oh, laisse ça, mes amis. Ballon pas bat. Moi, avec El Mundo dans défense là. Nous, dans dur, dans serré. Mesdames, vous parlez avec nous. Mesdames, vous jouez nous. Mesdames, vous demandez nous négocier. Nous disons, no thank you. Nous croisons, nous pas négocier même. Dans goumé, mesdames, vous battez nous 4-0. Dans goumé, laisse ça nullité pour nous. Dans goumé, nous faisons, mesdames, vous êtes toutes couleurs le jour dans pas que Saint-Victor. Mesdames, vous goûtez pour vous gagner nos 4-0. Et dans ce stade-là, laissez à tout stade-là lever nous en l'air, vous félicitez nous pour le gros match. Ça. Alors, moi, t'ai montré nous, Barcelone, Real Madrid, c'est vraiment, merci, Junior Casseus, Ricardo Augusta, merci beaucoup, Fredlin Etienne, merci beaucoup, et Wanik. Et Wanik, merci beaucoup. Jésus là. Et Christine, Jésus là. Merci beaucoup en bas live là. Moi, ouais, non? Et Wacha, Ricardo Augusta, Kesnel Joseph, Sébastien Joseph. Merci beaucoup, Sébastien Joseph. Moi, ouais, message là. Ah, ouais, alors nous, ouais, moi, bien content, moi, message. Moi, ouais, nous, tout est songé. Gros merveille que moi, fait effectivement dans Pac Saint-Victor. Alors, c'est ça. Mais pas. Moi toujours gagne espoir en équipe Barcelone ça que moi je dis parce que j'estime équipe là non c'est un match Barcelone ta doit battre Manchester United n'importe 4-2 jodi a oui seul problème Barcelone gagne en plus de Bob Lewandowski comme un buteur Barcelone besoin yon ou de l'autre buteur encore même si Bob pas ta fait un goal mais au moins on gagne l'autre nèg qui garanti un goal dans mais nèg Rafinha yo c'est nèg qui fait vieux shoot passé bien loin Rafinha qui a levé le bon vieux goal Dembélé qui a bon mais c'est nèg ça pas constant ou besoin des buteurs de race tant qu'on ou Vinicius ça qui arrive ou la green dans un match soit le voit font vieux goal ou bien il font vieux goal tout nèg Mohamed Salah yo, même si il pas jouer rien mais au moins on garantit un goal dans Mohamed Salah. Nous samedi nous nèg Mbappé yo ou met Mbappé a courir sur terrain là mais pas là pas quoi ou joindre un goal dans Mbappé nèg Ronaldo nèg Messi yo. Ou mettre Messi pas jouer rien sur terrain mais avant match la fin autant de Messi te font doublé autant de Messi te faire c'est ça que Barcelone manque là en plus de Lewandowski pour au moins yo ta gon deux autres joueurs que garanti au moins un goal faut que si a joué faut que si a courir sur terrain mais côté goal là entraîneur a demandé nèg besoin goal tout monsieur c'est pas seulement a courir Valverde pas besoin rentrer dans surface pour faire goal faut que si Valverde gain doit tirer de loin là le font goal et où tout. C'est dommage, Pedri choqué.
Je pense que yo bien regrette Pedri, mais Barcelone ça moi là. Excusez-moi encore ça me le dire. Moi même risque moi là moi. L'homme moi même risque moi ça moi là. Excusez-moi ça me le dire là. Excusez-moi, bon boire un petit de l'eau parce que ça me le dire encore li fort. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football plus avec Jean-David. Même Jean te dit non. Excusez moun Barcelone, ça me le dit, li ka déranger nous. M'te dit nous moi que Barcelone éliminé devant United. M'te dit nous ça. M'te dit nous moi ça même moi. Et bien c'est même j'a souhait à tout m'vin dit nous. M'vin dit nous excusez-moi. Ça moi a montré que Barcelone a champion dans Liga. Excusez-moi. Moi que Barcelone champion dans Liga. Alors ouais, au crier jodi a yo pour aller ri sou ou de meto. Le Barcelone champion dans Liga, le Sanegri a yo pour aller crier tout yo même. Jodi a yo content, Barcelone éliminé yo content et Barcelone gagné pour lui, fait bon résultat dans Liga. Bien que yo pour aller classico à devant yo là, yo pour aller classico à le 19 pour yo dégager yo, mais si yo besoin gérer Liga à 8 points là, faut que yo souhaité que dimanche samedi si Dieu veut à 2h, faut que yo t'a souhaité un mauvais résultat de Real Madrid devant AT et puis yo même pour yo t'a gagné dimanche un petit match facile que yo pour aller jouer et puis pour yo redorer blason yo à 10 points bien 11 points là ça pour commencer ouais Liga nan main yo. Moi même ça moi a montré que Barcelone a champion dans Liga. Est-ce que nous tendez? Ça moi a montré que Barcelone a champion dans Liga. Même Jean depuis lundi a venu là me dit nous ça moi a montré que Barcelone a éliminé devant United dans Old Trafford là. On était clair avec nous. OK, on va avancer. Match retour barrage à Europa League à 8e de finale Europa League là jodi a gagné un peu le match qui joué. Et en plus le match joué jeudi à la Barcelone Manchester United éliminé Barcelone 2-1 na Old Trafford là jeudi à Manchester United éliminé Barcelone. Casemiro content, gardez Casemiro. Est-ce que nous ouais Casemiro après match là? Mais Casemiro après match là, li content Casemiro. Après match là, li a joué De Gea, li pa konn sa pou le faire, li salue terrain après match là, Casemiro content, Anthony avec Fred, yo content. Les matchs à retour des barrages à pour les 8e de finale et les 8e de finale de la Liga Europa yo te disputé. Yo disputé là. Jeudi à malgré un nul à Turin, Juventus li pas tremblé pour te faire yon boucher là avec équipe Nantes là 3-0. Même Deste pour Sporting qui facilement écarté là équipe Midtjylland 4-0, tandis que équipe FC Sevilla li franchi également tout ça en dépit de défaite face à PSV Eindhoven. En revanche, en revanche, Monaco est battu par Bayer Leverkusen jeudi. Plus tard dans la soirée, Manchester United a remporté choc face à l'équipe FC Barcelone, comme nous l'avions dit tantôt, 2-1, alors que l'Union de Berlin a gagné Ajax 3-0. Roma a même réussi à remonter la salle boue 2-0 pour lui capable et offrir là les portes du prochain tour et au contraire de Rennes éliminé par Shakhtar 2-1. Kounia, gagnons l'autre bagaille que nous capable dit. Faut que nous d'accord avec moi tout que tirage là éliminé Barcelone. On va continuer nous d'accord avec moi bas live là. Tirage au sort éliminé Barcelone. Moi-même, on était clair depuis la Messi a fait tirage là. On dit messieurs, pas cap faire ça. Nous pas cap faire ça, messieurs.
pas faire football là ça. Pour qui ça me dit ça? Gen zan mi te fâché avec moi. Me dit non mais nous pas qu'à faire football. L'UEFA pas qu'à faire football là ça. Ou pas qu'à ou pour aller jouer Europa League, 8e de finale Europa League. On sait de petits matchs et puis tirage là bam Barcelone Manchester United. Est-ce que nous est possible? Non, il pas. Ça c'est un match final. Deux équipes ça c'est deux équipes que l'UEFA doit protéger pour arriver jusqu'à la finale. Ils ont finale Barcelone Juventus. Ils ont finale Manchester United contre Barcelone. Ils ont finale Manchester United Juventus. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais ils ont 8e de finale Manchester United Barcelone, ça me pas d'accord. M'pas d'accord pour n'gabine dim tirage. Tirage de hell. Qui a fait de tirage on n'est pas le vinn dim là. Nous saluons maître Kitlin Janvier excellence école informatique. Maître Kitlin saluer où Université excellence qui a fait de tirage on n'est pas le vinn dim là. Non, c'est moi qui a fait championnat carrément 8e de finale, me fait match au sorti. On nous prend exemple. Midtjylland contre Sporting Portugal. Mais ça, ça y est. Ça y est. Tant pendant ce temps, ou bon Manchester United, Barcelone. Ou voyez yon gros éliminé là. Là, bon deux gros dans 16e de finale. Ou voyez yon gros éliminé. Et puis, pour yon pas qu'être équipe green dans rete. Est-ce que nous, Monaco contre Bayer Leverkusen, Meli encore? Ouh, me senti me dérangé. Monaco Bayer Leverkusen et pour bon Manchester United Barcelone. Monaco te ka jouer avec Manchester United et puis Sporting Portugal jouer avec Barcelone ou bien Barcelone contre Bayer Leverkusen. Ou bon Nantes Juventus. OK, là m'a pas gen problème, yon gros yon petit. PSV Eindhoven contre FC Séville. Bon même si tu bon Manchester United Séville ou tu bon PSV Eindhoven Barcelone. Au moins, t'as garanti tous les deux poupies devant. Roma contre Salbou, on n'a pas aucun problème là. Rennes contre Shakhtar, Meli encore. Regardez ça, n'est-ce qu'il fait. Rennes contre Shakhtar, Union de Berlin contre Ajax, Meli encore. Oh, m'a pas qu'à faire crime. Pour qui tout petit match ça yo, et puis nous bayons Manchester United Barcelone. Dans 16e de finale. Aïe. Et pas même 8e de finale, non, dans 16e de finale. Pendant ce temps, nous avons un bon petit match Union de Berlin Ajax, Rennes contre Shakhtar, Roma Salbou, PSV Eindhoven Séville, Monaco Bayer Leverkusen, Midtjylland contre Sporting. Et puis pour qui ça nous fait ça? Pour qui ça nous fait ça? Nous gaspiller calendrier, monsieur. Qu'on est à un prochain tour là, ça quoi l'intéresser moun là? Non, si match ça quoi l'arrêter là? Ça quoi l'intéresser moun là? Hein? David, le roi du sport. Football la plus, je suis ça non. C'est même ça, nèg yo fait dans Ligue des Champions. Le bon nèg on ça ou bam yon Real Madrid Liverpool. Ou bam Paris Saint-Germain Bayern Munich. Et pour tomber bam ou bam l'autre petit match. Dans 8e de finale Ligue des Champions. Match ça yo, c'est match demi-finale yo, oui. Liverpool ou Barcelone, Liverpool Real Madrid, et puis Bayern Munich, Paris Saint-Germain. C'est match ça, un match qui t'a donné dans quart de finale, dans demi-finale. Mais là, le vovo yo goum entre yo bonheur comme ça, il faut que yon élimine l'autre. Kounia, comment ça pour aller, puis devant, plus ma pas avancé, c'est là, ça m'a donné un gros match yo. Là, on fait Barcelone éliminer. Bon, même si Barcelone n'est pas éliminé, nous t'as perdu United. Et puis après ça, qu'on est à Roma qualifié, Séville qualifié, Leverkusen qualifié, Shakhtar Donetsk qualifié, Union de Berlin qualifié. Alors, il y a une compétition pour Union. Bon, ça, Union de Berlin vient faire là. Ça fait mini. Union de Berlin qualifié, hein? Leverkusen qualifié, Sporting Portugal qualifié, Séville qualifié, et puis Barcelone éliminé. Ça passe, c'est pas bon Barcelone, pas bon, non? Ça passe. C'est yoté by Barcelone yon gros match qui te vaut finale compétition match Barcelone by Manchester United là c'est match final li ta doyé oui hein? On avance. OK, grosse déception pour Xavi li parlé après match là. Xavi li t'était rencontré avec Ten Hag. Nous est tous les deux sous live là.
tombé en quart de finale à Europa League saison passée, tombé en quart de finale. Le FC Barcelone les pâtés même qu'arrivé dans le stade 8e de finale à Nessa. Club catalan battu en barrage et par Manchester United 2-1 jeudi. Les poils désormais gagnent pour le concentrer là sur Liga et Coupe du Roi. Et comment déclarer yon Xavi très déçu après coup de sifflet final là. C'est une grande déception parce que nous avions beaucoup d'ambition dans la compétition. Hein. Moi, je pensais que nous avons fait un bon match et face à un grand adversaire. C'est dommage parce que nous avions le match en main après une très bonne première période. Oui, c'est vrai, c'est pas menti. Mais l'égalisation nous a fait beaucoup de mal. Et au retour des vestiaires de très tôt, c'est ça que l'entraîneur Blaugrana lui-même lui expliquait. Les duels étaient là créés ce soir. Xavi a continué. Nous avons perdu dans domaine ça. Il y avait moi répéter ça. Une grande équipe en face, nous avons une grande équipe en face nous qui mettait beaucoup d'intensité. Si Pedri et Gavi eux même étaient capables de jouer dans la deuxième période là, me pensais que nous étaient capables de faire mieux. Alors monsieur regrette Pedri avec Xavi, on nous appelait Pedri choqué puis Xavi et Gavi était gain cumul de carton. Monsieur dit puis gros problème nous c'est parce que nous pas gain Pedri avec Gavi, c'est ça monsieur Bay qui cause défaite là. Mais moi pas chercher des excuses. Nous va poursuivre et nous va continuer compétition hein. Maintenant nous devons concentrer nous sur les deux compétitions restantes. C'est ça monsieur dit, Liga et Coupe du Roi, nous devons ressaisir nous. C'est ça que Xavi déclaré, la vie continue, nous devons ressaisir nous, c'est pas la fin du monde. Xavi qui t'a parlé après. Et Xavi, lui même avec Ten Hag. Ten Hag également t'a parlé. Mené 1-0 à la pause. Manchester United lui renverse FC Barcelone dans deuxième période là pour te finalement qualifié en 8e de finale à Ligue Europa jeudi. Après un premier acte délicat, mesdames, messieurs, technicien mancunien Eric Ten Hag l'a trouvé mot juste pour vestiaire. De retour des vestiaires, au retour des vestiaires, l'a changé bagaille là. Comme l'a te raconté ça en conférence de presse aujourd'hui. Moi, insister sur l'espoir. Ça, c'est Ten Hag qui a parlé. Sur le fait d'y croire, c'était trop plat en première période. Nous pas assez utilisé Casemiro ni Bissaka qui te empile l'espace sur le côté droit. Moi te dit yo, il faut que yo très courageux dans pressing yo aussi, faut que yo mette tout yo même, faut que yo monte niveau a. Moi insister sur Prince, ça c'est un acte qu'a parlé. Nous faire entrer Anthony pour ajouter vitesse et caractère. Nous t'es capable et nous capables de gagner trophée à 11. C'est ça que monsieur dit. Surtout, nous comptons sur jouer nous. Nous besoin tout le monde à déclarer l'entraîneur néerlandais après la qualification de Manchester United. Ten Hag qui t'a parlé. Gagner Argentin Gamacho. Gamacho, c'est petit tête blanche. Nous, Manchester United, t'es venu monter dans le match là. Gamacho. Nous pas, Gamacho, petit tête blanche là. United, t'es venu monter. Et t'es venu monter, monsieur, dans le match là. Gamacho, on nous rappelait, monsieur, c'est Timoun Madrid. Gamacho, c'est Timoun Madrid. Gamacho, et monsieur, c'est un petit Argentin, mais monsieur, c'est Timoun Madrid. Que monsieur Eti Gamacho, Gamacho qui t'est venu monter et qui t'est venu monter dans match et dans match football là jodi a avec et tête blanche li
Eh bien, Tiga Macho, monsieur qui parlait, et Gamacho parlait, et parlait après match football là. Monsieur qui mettait, qui charrait dans une photo, monsieur Chambré là, bla ou Granayo. Alejandro Gamacho qui gagne 18 ans, 6 apparitions, yon goal dans Europa League là. Et Gamacho semblait aussi un provocateur sur le terrain, pas driblio. En Manchester United en 8e de finale. Eh bien, il dit Tiga Macho, monsieur Anti Argentin, attaquant argentin, lui d'ailleurs. Instagram côté monsieur Charré et Barcelone pour fêter qualification le jour d'hier. Monsieur, c'est à Madrid que monsieur formé. Monsieur était passé dans Atlético Madrid. Monsieur formé dans Atlético Madrid. Il dit la grande équipe s'est qualifiée. Attaquant argentin, il d'ailleurs accompagné son message à deux en photo sur laquelle il est capable ou elle imiter la. Monsieur font photo à la manière de Pedri. Et Pedri pour te charré et équipe Barcelone. Nan Gamacho qui charré Barcelone éliminé Jodia. Bagay la fait et fanatique Barcelone yo mal, mais c'est la vie. Monsieur, c'est la vie. C'est comme ça. Jouet la yé. Yon le ou gagné, yon le ou perdu. M'konne sa onti jan. Ça a un petit genre dérangé nous, mais accepter jouer là comme ça, Milan assez. Et prêter jusqu'au terme de la saison par le FC Barcelone, Samuel Umtiti, qui gagne 29 ans, il est capable de refaire santéri du côté de Lecce, selon la presse. Le Milan assez. Performance en défense. Ce central là non mais et club FC Barcelone Milan AC après là s'il t'ava à négocier avec Barcelone s'il t'ava joindre un prêt là non mais équipe FC Barcelone non pour Samuel Umtiti ta vine dans équipe FC dans équipe Milan AC. Est-ce que Umtiti est capable utile Milan AC? Bon, en tout cas, Samuel Umtiti, Milan AC, yo ta remè gagné Samuel Umtiti, comme yo prêt. Comme nous t'ai indiqué ou li, Sergio Ramos li officialisé retraite internationale li jodi a. Selon le défenseur central du Paris Saint-Germain, c'est bien le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, qui était dit définitivement qui fermait porte là pour Sergio Ramos. Le monsieur déclaré que le pas besoin Sergio Ramos, tant de bien oui, nouvel entraîneur Espagne là. Monsieur font déclaration, monsieur dit carrément que il pas besoin Ramos. Ramos mettait une fin dans carrière internationale. Mais monsieur même pour un gros risque qu'on fait. Bon, peut-être aller garder le Ramos pas offrir rien dans Paris Saint-Germain. Le moment est venu. C'est l'heure pour moi de dire au revoir à l'équipe nationale d'Espagne. Matin, moi, recevoir un appel du sélectionneur qui informait que moi pas fait partie plan li. Indépendamment de mes performances ou ça que m'a fait dans carrière, le cœur lourd, c'est la fin d'un chemin que j'espérais plus long. Vision ça, l'idée c'est vrai, mais l'idée obligé pour lui. Si Sergio Ramos, obligé de mettre un terme dans carrière. Carrément, pour M. Ferramos connaît que je ne pas compter sur vous, ou pas besoin, et pa, ou pas besoin d'espoir. Dans l'équipe là, je ne pas vraiment compter sur.
force annoncer et annoncer tout le monde que carrière internationale Sergio Ramos, c'est vraiment dur. Pour Sergio Ramos et puis pour ses consacres et pour ses consacres bagel a fini vraiment pareil mais joué de ça yo le nèg yo fait genre de bagaille comme ça. Sergio Ramos qui c'est vraiment dû. Ramos annoncé que il mettait un terme à na carrière li. Manchester City Ederson Haaland statistique qui dit toute bagaille. Transparence sur la pelouse de RB Leipzig, mais mercredi en huitième de finale aller Ligue des Champions, attaquant Manchester United, Manchester City à Erling Haaland, 22 ans, 5 matchs à 5 goals dans Ligue des Champions, il n'a pas touché que seulement 22 ballons et dans 90 minutes. Il y a un véritable calvaire pour un Norvégien, d'autant que partenaire gardien brésilien Ederson qui gagne 29 ans, 5 matchs à Ligue des Champions, il affiche un total de 37 ballons touchés sur l'ensemble de la partie, c'est-à-dire incapable de ses coéquipiers pour être capable de sauver monsieur. Pendant Erling Haaland touchait seulement 22 ballons, Ederson, gardien brésilien, monsieur, lui-même, lui touchait un paquet ballon jodia, baguela yon tijan, et baguela yon tijan dérangé dirigeant Manchester United hier, qui connaît un mauvais moment, United qui fait un goal partout. Real Madrid, li écrit histoire dans affaire Ligue des Champions. Équipe à Real Madrid là, li continue écrit histoire dans affaire Ligue des Champions. Yo dit Real Madrid avec victoire que le fait sous équipe à Liverpool là. Hier mardi, Real Madrid li devenir la première équipe dans histoire qui marqué 5 goals face à équipe Liverpool là dans stade Anfield là dans Ligue des Champions. Real Madrid également li devenir la première équipe dans histoire à Ligue des Champions qui impose li par 3 goals d'écart après avoir été mené de 2 goals. C'est pour la première fois sa fête dans une Ligue des Champions. C'est pour la première fois sa fête pour mener sur une équipe 2-0 et puis pour gagner 3 goals d'écart pour gagner 5-2. C'est première fois, est-ce que nous tendez samedi à? C'est première fois ça fait dans Ligue des Champions pour yo amener sur une équipe 2-0 et puis pour gagner 5-2. Real Madrid devient aussi la première équipe de l'histoire en Ligue des Champions à s'imposer par 3 buts d'écart après avoir été mené 2 buts. Après avoir été mené de 2 buts. Pour mener 2-0 sur vous, ou gagner 5-2, pendant mener 2-0 sur vous, dans la Ligue des Champions, c'est ça que l'information fait connaître. Real Madrid a écrit histoire dans la Ligue des Champions. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas capable de dire c'est bête compétition hein? Real Madrid, c'est bête compétition en Ligue des Champions. Vinicius Junior, il fait une interview aujourd'hui. Vinicius Junior lui parler jodia. Alors depuis hier gagne en pile débat qu'a fait autour de yon vini de Kylian Mbappé dans Real Madrid. Mais avec la présence de Vinicius Junior dans un premier temps, yo te parlé de River Mbappé, mais les dirigeants du Real Madrid, avec belle prestation Vinicius, avec montée que Vinicius a fait la cunière, ils ont commencé à penser que la présence de Vinicius n'est pas à vaut la peine pour qu'il investisse des millions dans Mbappé encore. Surtout, il y a Hendrick, le jeune Brésilien de 16 ans qui est déjà pour Real Madrid. Hendrick, Rodrigo Vinicius, est-ce que le vaut la peine pour Real Madrid à dépenser Lyon dans Mbappé pour l'acheter Mbappé? Ça a fait un pile débat hier
dans ville Madrid après belle prestation Vinicius contre Liverpool là. Il a marqué 2 goals, une passe décisive, c'est premier joueur qui bat Liverpool 5 goals dans la Ligue des Champions lui-même seul. Vinicius a commencé écrit histoire tout, il a commencé écrit page li dans histoire football là, premier joueur qui bat Liverpool 5 goals. Alors, Vinicius attaquant Vinicius Junior, il était parlé avec la presse madrilène après-midi, après grande victoire Real Madrid face à l'équipe Liverpool. Vinicius a été la star de la victoire contre Liverpool. Finalement, il a mis le monsieur Bourreau Liverpool. Final, la sélection bat Liverpool. Hier encore, monsieur, c'était Bourreau Liverpool. Il a marqué 2 goals et il était baillé là, yon passe décisive à Karim Benzema. Yon performance qui, permettre que monsieur yote nommé l'homme du match. Après sa grande performance, lui parler avec la presse brésilienne, TTN Sport au Brésil. Son incroyable match à Anfield, yote demandé Vinicius, parlez-nous de match où joué mardi contre Liverpool, la caille Liverpool. Lui dit, si pas te gagner, que moi-même au Real Madrid. Travail là, c'est un travail de toute équipe là. Toute équipe là, t'es spectaculaire. Nous faisons un excellent travail défensivement comme offensivement. Nous t'es réussi et beaucoup d'actions avec Karim Benzema, avec Rodrigo. C'est bien pour moi-même, c'est bien pour l'équipe là et bon aussi pour fanatique Real Madrid. Vinicius qui a parlé jeudi avec la presse brésilienne. Yo te mande Vinicius, est-ce que ou pensez ou devenir qu'on est là yon joueur qui est indispensable à Real Madrid? Li di moins content de match que m'te joué et que m'te joué mardi contre Liverpool. Moi vle continuer progresser. Moi ici depuis 5 ans, moi joué plus de 200 matchs pour Real Madrid. Moi vle continuer à être décisif pour club là. Match pour faire et pour faire ou jouer un match pour faire taire les critiques que vous pouvez recevoir Vinicius. Vinicius dit m'ba essayer faire taire et qui que ce soit. Moi essayer continuer à évoluer, de battre mes buts. C'est ça, de marquer et des buts de mes coéquipiers qui avec moi et chaque jour yo parle des choses que moi-même moi vraiment entendé yo moi senti que depuis le premier jour où moi arrivé dans Real Madrid c'est ma maison. Real c'est équipe comme Madrid c'est ma maison. Vinicius Junior match retour et au Bernabeu match retour et Bernabeu à Vinicius sans penser. Vinicius dit élimination est encore ouverte. Liverpool c'est un grand adversaire. Liverpool c'est une belle équipe. Liverpool c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, c'est un grand adversaire en Ligue des Champions. Liverpool était salié. C'est pour qu'on finit tant que deuxième match là, pour qu'on finisse jouer dans Bernabeu. C'est ça que Vinicius lui déclaré aujourd'hui après match que Real Madrid lui joué aujourd'hui. Et puis gagné après match que Real Madrid était joué mardi, Vinicius qui t'a bail déclaration. Jürgen Klopp, problème pour Jürgen Klopp, ça qui passé. Problème pour Jürgen Klopp pas qu'on est côté le garde. Jürgen Klopp pas qu'on est côté le garde, mesdames messieurs. Moun ki ka aidé Jürgen Klopp crier, nous mettez de le crier parce que Jürgen Klopp bagay la pas doux pour Klopp. Moun ki reme Klopp yo, ça ka aidé de le crier. Et ça ka aidé de le crier. Jürgen Klopp Baguela et Padou. Et Baguela Padou pour Jürgen Klopp. Ça a aidé Klopp crier. Ça a passé. Dirigeant
Manchester United yo, dirigeant Liverpool yo, yo bay Jürgen Klopp yon ultimatum. Yo fè réunion jodi a sou Klopp, eh bien yo bay Jürgen Klopp, yo di Jürgen Klopp, seul yon qualification contre Real Madrid qui ta pou kembe Klopp nan ekip la. Lò di yon moun sa, lò di yon entraîneur sa, c'est tout doux, ou tout dit entraîneur, lui met à l'aise. Bah, on dit nous d'accord avec lui. Le dirigeant, dirigeant Liverpool lui dit Jürgen Klopp, seul ça que t'as pour faire le rété, faut le qualifier devant Real Madrid. S'il éliminé devant Real Madrid, lui met à l'aise. Bah, on est pour qui ça? Pour qui ça, il fait Klopp ça? Yon match que Klopp perdu, match aléa, imaginez-nous. Jürgen Klopp perdu match aller à 5-2 et puis pour dirigeant ou dit Jürgen Klopp si ou pas ka battre éliminer Real Madrid, c'est pas même battre non éliminer Real Madrid. Entraîneur Liverpool là Jürgen Klopp li exprimé li après défaite que il était point contre Real Madrid là il était point 5 goals non mais li dit oui il équipe ta coup Liverpool avec toute pile joueur ça yo pour yon entraîneur à Baou, yon a fait de 5 goals. 5 goals la caillou. Le but du 3-2 sur le coup de Jürgen Klopp. Li dit ça capable arriver. Moi, pas sûr que tu as une faute honnêtement. Mais il était bien tiré. C'est un coup de direct. Moi, je dois défendre ça que je dois faire. Ça, c'est un problème. Après ça, yon match total avec Real Madrid, nous perdu énergie. Le nous retourner, bon, nous pas gain suffisamment de moyens pour nous remonter au score. Nous tap mené, nous perdu. Ou pensez à yon remontada nan Bernabe ou à Jürgen Klopp? Jürgen Klopp dit, m'pas quoi que ça pour arriver, mais nous pour aller là-bas à Madrid et nous pour essayer pour nous faire un résultat. Peut-être que nous ka réussion 1-0, mais m'pas quoi que nous ka arriver éliminer Real Madrid. On va essayer, mais yo gagné de très bons joueurs en attaque qui capable tuer nous tout à n'importe moment, comme je dis tout à l'heure. C'est pas le moment pour moi même pour m'capable venir, pour m'capable dire que nous pour réussir une remontada. Jürgen Klopp parler. Jürgen Klopp dit, pas qu'à promettre ça. Cette question de promettre qualification, là, qu'à Real Madrid, Klopp dit, pas qu'à promettre ça. Même si nous t'a goûté, nous battre Real Madrid, 1-0, mais, pas qu'à promettre ça. Seulement, nous pour aller essayer. C'est plié, Jürgen Klopp. J'en parlais là, toute bagaille finie. C'est plié. Jürgen Klopp dit là, m'pensais que cet éliminatoire est décidé, oui. Avec 5-2 au match aller, c'est décidé. Ils sont capables de marquer et nous devons faire 3 fois de plus que. Si, même si on t'a marqué, il faut nous faire 3 goals en plus pour nous aller dans la prolongation. Nous pouvons laisser pour nous gagner un match là. Ça que je connais. Vinicius et Rodrigo, ça, on pense que c'est 2 au Jürgen Klopp. Jürgen Klopp dit Vinicius, il fait partie des meilleurs jeunes joueurs au monde. Oui. Rodrigo lui même tout, c'est 2 meilleurs jeunes joueurs qui gagnent au monde. Brésil capable compter sur yo. Benzema li pas trop mal tout. Jürgen Klopp dit Benzema li pas. Mais Jürgen Klopp ou abri ou aller, yo faut aller déjà. Et bon yo dit sou pas ka éliminer Real Madrid pour aller Jürgen Klopp. En moi m'a crié pour ou série ou abri. Eh bien nous gele Jürgen Klopp. Moi sauter pour qui me fait mal, qui me fait mal pour Klopp et puis mes Klopp ils c'est ri la bri. Est-ce que nous la via pendant moi me voulais crier pour Klopp lui-même c'est ri la bri la via. Klopp bagayo pas comme ça non nèg bagayo pas comme ça. Klopp Mbappé doit venir dans Real Madrid avec tête basse. Mbappé doit venir. Mbappé doit venir dans Real Madrid avec tête basse.
Mbappé doit venir dans Mbappé doit venir dans Real Madrid avec tête basse. Les chances pour que nous capable boire Mbappé, Kylian Mbappé sous maillot Real Madrid dans la prochaine année, supporters et partisans club Merengue, yo pas oublié été 2022. Tendez bien oui. Fanatique Real Madrid yo pas jamais oublié été 2022, ça que Mbappé a vini, t'as vini dans Real Madrid, Mbappé a vini tête basse. Mbappé a vini tête basse dans l'équipe Real Madrid là, même si Mbappé t'as vini dans Real Madrid. Tout va mieux pour le Real Madrid après la démonstration li fait en Angleterre qui est quasiment scellé là, c'est huitième de finale de la Ligue des Champions. Une nouvelle démonstration de force qui tranche là. Une nouvelle démonstration de force qui tranche et pour équipe Real Madrid là. Et qui tranche pour équipe. Alors, il dit même si Mbappé t'a va venir dans équipe et t'a va venir Kylian Mbappé et français a li pa gen révolution et promise à lui dit non à l'équipe Real Madrid là oui pour Paris Saint-Germain comme expliqué le Parisien après la défaite face à l'équipe Bayern Munich là Mbappé li pa signé que deux années de contrat avec Paris Saint-Germain avec un option li probable national français a Yo dit international français Ali Pogba pour que Mbappé excusez-moi quand même rejoindre Real Madrid et Espagne pas oublié Mbappé il doit finir dans Real Madrid avec avec tête li baissé et yon parmi l'autre dans vestiaire Real Madrid là yo kounye a envie te gen pour Mbappé a diminuer considérablement. C'est ça que l'information fait qu'on est. De même, l'été mandé Vinicius Junior, qui est actuellement plus fort que Mbappé et qui a joué très bien dans Real Madrid. Mbappé, en ce moment, c'est Mbappé et qui est capable de changer place. Lui jouer à droite, attaquant et latéral droit. À latéral gauche, milieu, Vinicius est actuellement le joueur le plus déterminant à Madrid. Dans Liga, il a démontré ça dans la Ligue des Champions hier, il est indiscutable. Si j'étais actuellement joueur du Real Madrid, m'tabaille tout ballon d'or à Vinicius Junior. Vinicius Junior, il est plus fort que Mbappé. Il est plus en forme actuellement, oui. Oui, et c'est la réalité. C'est ça que Gouti lui-même lui déclaré, mes amis, Gouti qui mandé pour que Mbappé, même s'il vini dans Real Madrid, c'est Mbappé pour y changer de place, Vinicius côté là jouer à Kounia, lui intouchable. Gouti dit même si lui-même c'est l'entraîneur Real Madrid Kounia, l'a cherché l'autre côté pour mettre Mbappé. Même place Vinicius là, li un. Selon sa déclaré.
Nivana FM, suivez une émission sportive. Selon ça que... Football plus. Les face à face. Selon ça que Gouti t'a va déclarer, Vinicius est intouchable. Pour Gouti, c'est Mbappé que t'a pour dégager pour le changer de place. À la bas avec Rodrigo, il est blessé. À la bas avec Rodrigo, il n'a pas de chance pour participer. À la bas avec Rodrigo, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance pour participer là dans un match que. Il n'a pas de chance pour participer dans un match que Real Madrid. Madrid à la bas avec Rodrigo. Il n'a pas de chance pour jouer dans un match que Real Madrid pour aller jouer contre AT Madrid. C'est ça que l'information t'a fait connaître à la bas avec Rodrigo. Il n'y a pas de chance pour y jouer. Les deux joueurs qui ont quitté Pelouse à Anfield là, hier jeudi en raison de soucis physiques. Et nouvelle, il n'y a pas bon pour deux messieurs ça, notamment pour là-bas, pour affronter Atlético Madrid demain samedi à 12h30. Puis FC Barcelona jeudi prochain en Coupe du Roi en quart de finale. Hein? Carlo Ancelotti il doit composer sans deux joueurs sayo qui comptaient en pile pour lui. Nous capable craindre que David Alaba comme Rodrigo yo déclaré forfait pour deux matchs sayo. Est-ce que nous tendez David Alaba avec Rodrigo que vous regardez sur live là, yo capable déclarer forfait pour deux matchs sayo que Real Madrid pour aller jouer. Real Madrid a joué jeudi à 12h45. À midi 30 contre équipe Atlético Madrid là et puis Real Madrid a pour aller jouer encore non Real Madrid a joué samedi demain samedi à 12h30 contre Atlético Madrid après ça Real Madrid pour aller jouer encore jeudi à 3h contre Barcelone dans Clasico pour Coupe du Roi. Est-ce que nous tendez dans radio ni en vana dans live là football plus. Nous-mêmes, nous passerons l'heure. Nous passerons l'information. Real gagne deux gros matchs, Captain Nila. Demain samedi, il pourra jouer contre AT Madrid à 12h30. Et puis, jeudi, l'autre semaine, il pourra jouer contre Barcelone. Match, ça a joué à 3h. Pendant que Barcelone finit éliminé là, et puis l'autre semaine, yo pral jouer avec Real Madrid. Ah, nèg Real yo poko content. Yo craint que David Alaba comme Rodrigo yo déclaré forfait pour deux gros rendez-vous ça yo au programme pour merengue yo. Examen réalisé jeudi a, yo confirmé les craintes pour David Alaba notamment qui capable pour quelques jours là pas monter terrain comme communiqué et par club là après-midi a défenseur autrichien il a souffri de une déchirure musculaire na cuisse droite li gagné la presse espagnole pronostiqué une absence environ un mois pour ancien joueur Bayern Munich David Alaba. Est-ce que nous tendez David Alaba que n'a regardé sous live là. Information fait connaître que David Alaba, alias Bonda, est capable de passer près de un mois que le pas joué pour Real Madrid. La blessure de Rodrigo Goes est en revanche plus légère. Brésilien est touché, il y a un petit problème. Dans la cuisse gauche, il ne dit pas. Rodrigo a li pas trop grave. Par Rodrigo a pas trop grave, c'est ça qui ont ti gens favorisé qui par Real Madrid là. Par Rodrigo a. Par Rodrigo a pas trop grave. Et par Rodrigo a pas trop grave et pour Real Madrid. Par Rodrigo a plus ou moins Madrid capable et compter un peu sur la présence de Rodrigo
et la présence de Rodrigo avant même que David Alaba l'Ita va retourner pour l'équipe Real Madrid là. Pour que li aide Vinicius Junior. Alors Vinicius Junior qui a souffri de problèmes et insultes dans le championnat. Attaque Atlético Madrid là, Alvaro Morata lui a accordé un entretien à ESPN. Il était interrogé là sur le traitement subi par Vinicius Junior. Le match contre le Real Madrid. Il dit une semaine de derby. C'est une semaine côté que ou pour le vivre, yon ti jan ou pas trop content. Ou pas trop content et selon résultat qui va faire là. Alvaro Morata. Il dit là pour jouer derby que ou pas content. Ou stressé, cœur pas trop content, c'est ça que Alvaro Morata a expliqué. Alvaro Morata, yo te mandé li, est-ce que li pense que ce et progresser selon ou même Alvaro Morata qui expliquait que selon lui-même Atlético Madrid Jodia li progresser selon ça que Alvaro Morata lui-même li tava progresser selon Alvaro Morata estime que AT Madrid li progresser par rapport à Jean que AT Atlético Madrid li progresser et yo apparé yo derby par un joueur nan Wanda Metropolita li te tout profiter parler tout de insulte envers Vinicius Junior et nous toutes l'Europe joue à l'extérieur yo insulté ou l'Europe joue à l'extérieur et gen gros travail pour le faire. C'est un problème même que nous gen en Espagne, c'est ça que Alvaro Morata a expliqué. C'est un problème que nous gen en Espagne même, faut que les gars penchent sous bagay ça, yo remet insulté nous toutes. L'Europe joue en Espagne, l'Europe joue à l'extérieur, ou toujours victime d'insultes. Et c'est ça que Morata dit. Les insultes envers Vinicius. Vinicius doit mettre le niveau pour être capable d'accepter ça. Moi, je pense que ça doit, ça pas doit dans le football là, c'est tout. Ça arrive pas seulement Vinicius. On dirait que c'est presque tout le monde. Moi-même, toujours qu'on insulte. Le racisme envers Vinicius. Le racisme. Elle est inacceptable, incompréhensible. À la première insulte. Question ça a pas doué gen place dans le football là. Morata dit li inacceptable. Pas gen moun ki doué accepter et yon bagay kon sa pour gagner insulte nan jouet là. Non, bagay ça a pas gain droit fait. Alvaro Morata qui t'a parlé mesdames messieurs, li pas d'accord pour gagner insulte nan jouet là pour mon ap insulter moun. Alvaro Morata dit non. Arbitre qui pour le diriger derby a, yo bay li, mais arbitre là pour le diriger derby a samedi si Dieu veut
entre entre Real Madrid et Atlético. Le nom de l'arbitre du derby Atlético Madrid Real Madrid qui pourra jouer dans Bernabéu demain samedi a été désigné. Le Real Madrid et l'Atlético Madrid pourra affronter dans Bernabéu demain samedi qui pourra le 26 février. Il y a un derby passionnant qui pourra être capable de déterminer le nombre et de nombreuses questions, notamment l'avenir des Merengue en tant que prétendant au titre dans le championnat d'Espagne. Il y a un revers contre Atlético Madrid dans un derby qui est capable de mettre l'équipe Carlo Ancelotti a quasiment hors course là. Fanatique Real Madrid yo pour espérer une victoire de Atlético Madrid samedi pour retirer Real Madrid dans course là. Dans même moment Atlético Madrid tout, il s'agit de un duel clé pour lutter pour lui-même tout pour une place dans Ligue des Champions saison prochaine. Équipe Cholo Simeone a compté 2 points de retard sur la Real Sociedad 3e et Ligue un avantage de 4 points sur l'équipe Betis Sevilla qui lui-même 5e. Pour un duel aussi important, commission technique des arbitres a annoncé le nom des arbitres qui pourra diriger match. Il s'agit de Gilles Manzano. Gilles Manzano, Jesus Gilles Manzano, comité et comité arbitre là, c'est monsieur, mais il va regarder le sous live là, c'est monsieur pour gagner lourde responsabilité ça pour lui diriger Real Madrid contre contre AT dans Wanda Metropolitano samedi qu'a venir là Real Madrid contre contre Atlético Madrid. Fanatic Real Madrid yo Nacho yo contingent commencé yo commencé inquiété pour Nacho. Nacho très peu médiatisé et même peu valorisé en Espagne. Nacho c'est un élément important dans effectif Real Madrid là. Nacho était un élément important dans effectif Real Madrid là. Brillante victoire à Real Madrid contre l'équipe Liverpool là, lui mettait lumière sur Nacho plus en commençant bien sûr par il mettait lumière sur plusieurs joueurs, tant que Vinicius, Karim Benzema, tous les deux décisifs sur le plan et comptable avec deux goals pour Yon et pour l'autre. On a parlé de Vinicius avec Karim Benzema. Luka Modric a aussi impressionné du haut de son âge, mesdames, messieurs. Eduardo Camavinga pour maturité li à 20 ans. Et puis Nacho. Nacho, après match là, au point que même Jürgen Klopp, il te fait éloge à Nacho, qui te remplace David Alaba. Alaba, t'es très bon, mais Nacho li rentré et Nacho vin ban nou plus problème. C'est ça que Jürgen Klopp t'est déclaré. Alors Nacho, Nacho qui a pas avancé en âge, mais Nacho c'est un innocent, il ont pas nan rien. Côté ou mettez Nacho d'accord, ou mettez Nacho d'accord, ou pas mettez Nacho d'accord. Nacho pas nèg qui jam nan plein pour place, mes amis. On dit pourtant de Nacho a plein pour nombre de temps qu'il pas joué. Nacho pas nan bagay comme ça. Après défaite Barcelone en Europa League là jeudi a, eh bien gain capitaine yo Sergio Busquets. Sergio Busquets qui lui-même lui parle, Sergio Busquets les signaler là retour dans compétition et il gain et ultime honneur pour participer à la rencontre pour te participer dans un retour contre Manchester United. Après défaite là, capitaine espagnol là, lui t'a déclaré que c'était un match serré et nous étions au coude à coude. Mais ça a vint changer, quelques petits détails seulement changer bagaille là. Nous éliminer en dehors de intensité, nous avons été bons aujourd'hui. Moi pensais que nous très bons, nous pour commencer, nous avons marqué et nous avons manqué notre but
Et nous voilà, nous raté pas mal d'occasions. Nous t'es capable de faire 2-0 en deuxième mi-temps. Nous t'es encore meilleur que United. Tout le monde t'es capable de voir ça. Mais c'est dommage, nous éliminer. Nous voilà continuer et penser à reste saison. Jules Koundé, bon côté par il t'es fait une déclaration. Une élimination très douloureuse. Selon Jules Koundé, nous sommes très déçus. Moi, désolé pour supporters et équipe là. Car goal et goal. Alors, but nous, c'était gagner Europa League là. Moi, pensais que nous devons féliciter l'adversaire là. Manchester United, ils ont joué un très bon match, ils ont gagné. Bon, c'est comme ça la vie a été. Et Jules Koundé dit nous pour continuer le travail. Nous pour continuer le travail pour que nous capables. Et pour que nous capables remonter, refaire si face. Ils ont dit Xavi gagné, ils ont palmarès, ils ont bilan. Misérable, yon bilan misérable de Xavi dans Coupe d'Europe. Tendez bien. Yon bilan misérable de Xavi dans Coupe d'Europe. Xavi Hernandez gagne yon bilan misérable dans affaire Coupe d'Europe. Xavi, ça qui passe Xavi. Xavi ça qui passe là. Comme depuis li rive dans Barcelone en 2001, Xavi Hernandez li enregistré yon nouvel déconvenu, mesdames, messieurs, dans la Coupe d'Europe. De quoi rendre un peu plus pauvre bilan Xavi à suite à défaite contre Manchester United jeudi. Après nul de partout dans Canoa, semaine dernière, Barcelone li yotap tenni pour te. Et redorer blason li à Old Trafford. Comme c'était évident, Robert Lewandowski et coéquipier li yo sombré là face à ambiance fanatique yo te mette dans Old Trafford là jodi a. Au terme de la rencontre, yon élimination en barrage à Ligue des Champions pour le Barcelone qui a été sorti là en phase de groupe en Ligue des Champions pendant saison ça même malgré effectif très riche que Barcelone gagne yon bilan qui plus qu'inquiétant, mesdames, messieurs, pour Xavi en Europe. En effet, entraîneur espagnol, il n'a pas gagné que 4 dans 16 matchs qu'il a joué dans la Coupe d'Europe. Depuis Xavi, pour en tête Barcelone, dans 16 matchs que Xavi joué dans la Coupe d'Europe, quel que soit Europa League ou bien Ligue des Champions, Xavi gagné seulement 4 matchs. Est-ce que nous entendez? Est-ce que nous tendez bagay ça? Est-ce que nous tendez mes amis? M'pa kwè moun yo tendez samedi a. Nous pas tendez samedi a. Depuis Xavi pour en tête équipe là, tête Barcelone, eh bien Xavi gagné yon bilan misérable dans affaire Europa League. Xavi gagné yon bilan dans affaire Coupe d'Europe. Xavi gagné yon bilan misérable. Dans affaire Coupe d'Europe, depuis Xavi point tête équipe là, Xavi dans 16 matchs que Barcelone joué dans Coupe d'Europe. Alors l'homme dit Coupe d'Europe là. Et l'homme dit Coupe d'Europe là, Ligue des Champions, Europa League depuis Xavi point tête équipe là, Xavi joué 7 matchs dans Europa League, dans Coupe d'Europe avec Barcelone, Xavi gagné seulement 4 matchs dans 16 matchs que Xavi joué dans la Coupe d'Europe, il dit yon bilan pauvre pour Xavi dans affaire Coupe d'Europe. Mes amis, Xavi pas mérité ça. Xavi gagne un bilan qui très pauvre dans affaire Coupe d'Europe depuis le point tête équipe là. Alors Meli, Xavi, où est ça tout même dans visage li sous live là? Moun kap gade live là, mais visage Xavi dans affaire Coupe d'Europe, j'ai l'impression seul ça capable mettre Xavi dehors là, faut ta champion dans Europa League, faut ta champion dans et pas Europa League, faut ta champion dans Liga, faut ta champion dans Coupe du Roi. Dirigeant Barcelone yo gen travail toujours pour yo faire. Yon taux de réussite trop peu pour les ambitions du club catalan qui capable garder Ranli parmi les grands, c'est Revio pour garder Ranli parmi les grands qui subit humiliation sur humiliation depuis 2015 et yo raté Ligue des Champions, yo raté Europa League. Barcelone gagné yon mon
que l'a monté dans affaire Coupe d'Europe depuis 2015. Li pa yon homme de grand match. Les fans du Barça yo désigné le coupable Robert Lewandowski. Fanatique Barcelone yo accusé Bob Lewandowski. Selon yo même, Bob Lewandowski dans grand match monsieur pa ka meto dehors. Est-ce que ça veut dire que Fanatic Barcelone yo ta va commencer longer doit sous Bob? Est-ce que tu as commencé à parler de un problème là entre Barcelone avec Bob Lewandowski? Mes amis, bagay la commencé, mais yo compte yo ka compte sous Bob dans une série de matchs, mais on dit Bob Lewandowski li pa yon homme de grand match dans grand rendez-vous. Côté Captain Bob Lewandowski, Fanatic Barcelone estime que Bob là pas capable mettre au dehors dans grand match. Et grand joueur ou doit faire effort pour toujours répondre dans grand match. Est-ce que nous d'accord avec moi? Grand joueur doit toujours faire effort pour que ou répondre dans grand match. Et bien Fanatic Barcelone yo estime que dans grand moment côté Captain Bob Lewandowski li pas répondre. Mais Bob Lewandowski, sous live là, nous capable boueler. Bob Lewandowski, Fanatic Barcelone, yo longe douette sous lui. Qui sa information en dit? Battu 2-1 par Manchester United, jeudi à FC Barcelone, li dorénavant éliminé. Et de toute compétition européenne, et pour le compte de cette saison. Du côté des supporters du club, défaite ça, yo mal ou elle li passé. Et yo pointé du doigt un joueur en particulier qui est Bob Lewandowski. Fanatique yo accusé Polonais parce que li pas au niveau du match. Bob Lewandowski pas tenant niveau match là selon Fanatique Barcelone yo pointé du doigt le match de Bob Lewandowski. Même son penalty et respire par la sérénité. C'est pas ça que nous t'attendons de un leader d'attaque à l'extérieur dans une Coupe d'Europe. C'est ça que Fanatic Barcelone yo même yo déclaré. Et là on fait bilan Barcelone en Europe, il faudra aussi faire à celui de Bob Lewandowski qui pas meilleur à numéro 9 du monde autosuffisant qui capable les rapprocher de la victoire vraiment pour une équipe football. Fanatic Barcelone yo très amer contre Bob Lewandowski après défaite équipe Barcelone nan jodi a. Bob Lewandowski li connaît tout et peine du monde et jodi a la Fanatic yo longe droit yo sous Bob yo estime que et Bob te ka fè mieux dans un match international, un match à Coupe d'Europe, yo pa fin comprendre ça. Alors, Ronald Araujo, li franchi un nouveau cap avec l'équipe Barcelone. Ronald Araujo, titulaire jeudi à face à l'équipe Manchester United là, Ronald Araujo, li rive Jean Bela yon barre symbolique avec Barcelone. Li même qui était rive en Catalogne en 2018, défenseur central uruguayen, li d'abord passé par équipe B Barcelone pour te adapter li à philosophie de jeu catalan avant de te monter là dans l'équipe première. Et yon année plus tard. Depuis Araujo, li quitté équipe BA, li monté dans l'équipe A Barcelona. Jeudi, li joué, eh bien là, li c'est yo monsieur comme remplaçant Carles Puyol. Li disputé 100e match li sous maillot Barcelone. Yon chiffre symbolique pour défenseur qui gagne seulement 23 ans, Ronald Araujo. Ronald Araujo, mais c'est solide défenseur. Solide défenseur Ronald Araujo, monsieur qui jouait 100e match li avec équipe Barcelone jodia. Est-ce que nous te connais bagay ça? Ronald Araujo qui jouait 100e match li avec Barcelone jodia. Ronald Araujo, eh bien monsieur remplaçant de Carles Puyol dans équipe Barcelone. Ronald Araujo comme remplaçant Carles Puyol. Monsieur jouait 100e match li
pour l'équipe Barcelona. Jodi a, nous t'a parlé de solide défenseur. Ça, moi-même, si moi mais Eder Militao dans l'équipe Real Madrid là, comme défenseur, solide défenseur, eh bien, dans Barcelone, je ne vais pas dire nous, je suis clair avec nous. Il y a un défenseur que je remets en pile dans Barcelone, il est Ronald Araujo. Solide défenseur. Monsieur pas dans rien dans même. Ça fait pas de comprendre dans ce match là pour que ça a vite choisi retirer Jodia Ronald Araujo. Ça était un petit genre dérangé moi-même Jodia pour que ça Ronald Araujo sorti dans match là dans ce match là Jean de Nexao solide défenseur ça yo combattant ça vieux combattant ça Ronald Araujo pour que ça sorti dans match là Zavi. Ça que te bon dit. Ça que te bon dit là. Sacré Temboum dit là, Ronald Araujo, Barcelone éliminé, Casemiro content, Anthony, Casemiro, Fred, David De Gea, yo content, sacré Temboum dit. Ouh, sacré Temboum dit là, bon moi là, Johnny Delva, Guerlain Jean, Galin Jean dit bonsoir tout le monde. Galin Jean, Kelly, Watson, sacré de boum dit là. Linisa le gros, est-ce que le pas suffit là, Samba là? M'pense Samba là suffit là, oui, pour aujourd'hui. Au Real Madrid et Marcelo, bon, nous t'ai parlé, Manchester United, yo t'ai voué un message fort par Real Madrid depuis avant et match là. Sacré de boum dit. Je pense que toute bagaille touché là. Et seulement moi, Thierry Henry shooté sur Lionel Messi là. Real Madrid Fiorentino Pérez li intéressé à un joueur que Real Madrid te voye aller. Oui là, bon moi. Avant m'aller, bon moi, information ça. Moi, Real Madrid intéressé à un joueur que Barcelone te voye aller. Alejandro Grimaldo. Il terminé contrarié avec Benfica pendant été l'a terminé contrarié et il est clair depuis un certain temps à Lisbonne que il a remonté là non il sonnait déjà pour faire valise li en juin dernier non il était sonné déjà pour te quitter Benfica mais il était finalement accepté maintenant. Et quelques mois plus tard, des grands clubs en Europe comme Inter Milan, Juventus, Borussia Dortmund, Arsenal ou Napoli, yo te gen yeux qui rivaient sur Grimaldo. Mais c'est le Real Madrid qui en tête là pour obtenir là Valen et pour obtenir là joueur. Blanc yo déjà confirmé que yo capable récupérer là. Yo capable de récupérer là et Franck Garcia l'idée pour capable laisser sortir là Ferland Mendy afin que deux espagnols ça yo capable courir là pour poste latéral gauche là saison qui a venu là. Grimaldo te quitté Barcelone par la petite porte. Grimaldo monsieur te quitté Barcelone et bien on dit là Grimaldo le footballeur de Benfica lui c'est un ancien joueur du Barça après qu'il t'ait fini entraîner pendant de nombreuses années dans la Masia. Grimaldo lui t'est enfin quitté Barcelone en 2016 en raison de attitude et de plusieurs actes d'indiscipline que monsieur te gagné et bien Grimaldo qui t'a quitté Barcelone, il dit là, Real Madrid capable et prend Grimaldo. Real Madrid capable pour un Grimaldo. Alors c'est pas pour venir faire grimace, non. Grimaldo t'a venir faire grimace. Non, c'est pas ça. Grimaldo c'est pour venir jouer dans l'équipe Barcelone, dans l'équipe Real Madrid là. Monsieur qui t'a quitté monsieur qui t'a quitté Barcelone. Moi voyons révélation là, oui sur Ballon d'Or. À un peu et plus de 3 mois avant fin saison, les révélations tombaient là sous question Ballon d'Or. Lionel Messi et Kylian Mbappé, et eux même qui ont discuté la question Ballon d'Or, mais ils ont dit qu'il y a une révélation.
qui tombe là sous question Ballon d'Or. Lionel Messi et Mbappé, nous connaissons eux deux à qui en pole position pour ta remporter au favori là pour trophée décerné par France Football là. En attendant l'issue de la Ligue des Champions, joueur qui impactait tout le monde, le plus comme Karim Benzema t'a fait la saison dernière. Mais yo parlé là imbattable. Mais yon chose est sûr, Coupe du monde 2022 a li pour le passer, li pour le peser là dans attribution Ballon d'Or pendant année ça. Et ça Lionel Messi li connaît que très bien ce nom qui en première position, c'est ça que yon journaliste t'ava révélé là. Messi li vle continuer carrière li en Europe pour être un candidat ferme pour le Ballon d'Or. Et en outre, il est bien pour arriver dans la Copa América en forme. Messi vle quitter Paris Saint-Germain, mais Messi vle continuer en Europe pour question Ballon d'Or. Lionel Messi, li ta remè gagner Ballon d'Or et puis pour continuer en Europe, c'est ça information fait qu'on est Lionel Messi capable quitter Paris Saint-Germain, mais faut regretter en Europe pour gagner plus chance parce que Messi dit il voulait prendre un Ballon d'Or encore. Bon, finir avec information ça pour moi ça Henri dit. Moi Henri casse maintenant mais Messi oui là. Qui doit Thierry Henry pour Thierry Henry parler mal à Messi? Est-ce que Thierry Henry gagne droit ça pour la parler mal Lionel Messi? Non, capable de nombreux éloges là que yo te dédié à Lionel Messi dans dernière année ça. Désormais consultant pour Amazon, ancien buteur équipe de France là, Thierry Henry, il déclarait que Lionel Messi n'est pas meilleur coéquipier avec qui lui-même l'était joué. Lionel Messi et Thierry Henry ont joué ensemble dans FC Barcelone. Yo deux a yon connaît l'autre, yo connaît un pile succès avec notamment des victoires en Ligue des Champions. Thierry Henry actuel star et actuel star à Paris Saint-Germain, hein? C'est un des meilleurs joueurs dans l'histoire football là. Mais c'est pas pour autant ça que Thierry Henry lui-même l'a déclaré. Il dit qu'il jouait avec un meilleur joueur dans l'histoire football là. Mais contrairement à ça, tout le monde t'a compris, c'est pas champion du monde 2022. Lionel Messi pas meilleur joueur que me jouer avec lui. Le meilleur footballeur avec qui j'ai joué, moi dit toujours c'est David et Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Oh, Thierry Henry. Ou qu'on a mérité calé? Bon. Henri finit émission sous moi. L'on a d'un bagay comme ça. Émission t'a dû tout fini là. Bon, fâché. Émission finie là. Thierry Henry finit émission sous moi là. Johnny Delva. Non, monsieur finit émission. Hein. Monsieur dit meilleur joueur qu'il jouait avec lui, c'est Dennis Bergkamp, néerlandais. Monsieur Kazé, émission en a même. Florival. Woodland Florival. Sacré de pour me dire. Alex Antonax. Alex dit JD ou point coup. Non, c'est pas moi qui point coup. Yo point coup, je dis, mais c'est pas moi. Mes amis, faut que moi aller, oui là. Costin Fritz. Fritz Costin. Bonsoir tout le monde. C'est ça le dit, oui là. Ricardo Augusta. Ricardo Augusta, Wacha Philistin, Kelly, Sordi Kelly, Fresnel, Bernard Fresnel, Louis Jeune, Salomon Louis Jeune, Monsieur Fakmoué, allez, oui, là, Santonax, fermez émission, non, côté Michelo, pour venir fermer émission, Michelo Chéri, Fred Le Etienne, Luxon Joseph, Lignisa Le Gros, marraine émission, ferme émission, non, marraine émission. Lignisa Le Gros, Mickey Locheri, grand frère émission. Lignisa Le Gros, ferme émission. Lignisa Le Gros dit bonsoir à tout le monde. Debout, Lignisa Le Gros dit ça. Émission doit fermer là. Pierre Philippe, Smith Jean, Saint-Ilma Le Gros,
Saint-Ilma le gros, l'Ignis le gros, dit bonsoir à tout le monde. Oui, là, mes amis, pas faire l'Ignis fâché, pas faire le parler trop. Li déjà dit bonsoir à tout le monde, pas gagne rien que nous qu'a dit encore dans l'émission. Depuis l'Ignis le gros, gagne dit bonsoir à tout le monde là, faut nous résilier, nous, faut nous accepter ça, mes amis. Moi, regrette ça, nous obligé camper là. Rendez-vous, c'est pour demain soir à 7h10, la Pi Bonheur, sous Onde Radio Nirvana et sous page Facebook, nous, avec page YouTube, nous. Le vendredi, nous sous radio, mais pas oublier, dis aux amis ou pour nous, que fréquence radio a changé, l'IPA 97.3, encore qu'on y a, c'est 89.5. Ça fait rendre nos services ça, partager live là, même si l'émission finit, nous allons continuer à partager live là. Nous toujours aimé que le chéri fait ça sur tout côté lié dans Facebook, lui partager l'émission, même l'émission finit, lui continue à partager. Gardez belle information que nous partager avec nous. Gardez belle image. Presque chaque information nous avons, nous avons une image qui est appropriée à l'information. C'est pas comme ça nous avons l'émission hier? Nous parlons de Mbappé, Messi, Ballon d'Or, mais aussi sur live là. Ce n'est pas comme ça, nous, l'émission, en fait. C'est presque une émission télévisée. Nous avons une information et puis nous avons une photo, une image qui est appropriée à l'information pour plus bien. Ouais, ça n'a pas dit. Nous parlons de penalty que Bob Lewandowski tirait quand il était. Il était manqué, mettait mon en confiance. Et puis nous bon exemple là nous montrer Bob Lewandowski penalty que Bob l'a tiré Meli David De Gea Meli c'est après-midi là c'est pas bagarre depuis 3 mois Meli après-midi là nous dit Casemiro était content et après victoire et Manchester United aujourd'hui nous dit tout Balde le jeune Balde il était joué un grand match Meli avec ballon en devant Bruno Fernandes Anthony c'était une victoire à la brésilienne Anthony avec Fred CO2 à qui buteur pour équipe là Jurgen Klopp yo bali seulement match Real Madrid là pour qualifier pour yo pas voyer y aller mais Jurgen Klopp nous te dit tout Bob Lewandowski fanatique yo fâché contre monsieur dit monsieur pas aidé dans grand match mais Bob et puis nous te dit Araujo jouer 100e match li et jodi a avec équipe Barcelone mais et Ronald Araujo et puis qui ça pour nous t'a fait pour encore qui ça pour nous t'a fait pour encore moi pas wali vraiment pas wali nous te dit arbitre ça c'est lui pour l'arbitre et qui va le diriger finale là et le derby à samedi nous te dit tout Rodrigo avec David Alaba yo pas jouer final et derby a yo out et puis on connaît Messi a travaillé toujours pour yon retour Jordi Alba Sergio Busquets yo décidé pour yo descendre comme yo pour permettre que Messi retourne dans équipe Barcelone nous te ba toute information ça mais toi Jordi Alba avec Busquets yo décidé de descendre comme yo pour permettre que Messi retourne dans équipe Barcelone Mbappé avec Vinicius Kounia c'est yo qui a fait la une mesdames messieurs dans monde football là. Bonsoir tout le monde. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes.
bleu rouge là. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça non. Tous
Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Football Plus.
négocier. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Football Plus.
café Haïtien, les bédans, c'est ces mêmes gens. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football plus avec Jean-David, le roi du sport. Football plus. Je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football plus avec Jean-David, le roi du sport. Football plus. Je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football plus avec Jean-David, le roi du sport. Football plus. Je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football plus avec Jean-David, le roi du sport. Football plus. Je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football plus avec Jean-David, le roi du sport. Football plus. Je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football plus avec Jean-David, le roi du sport. Football plus. Je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football plus avec Jean-David, le roi du sport. Football plus. Je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs de 7h à 8h30 sur la Radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football plus avec Jean-David, le roi du sport. Football plus. Je suis ça, non.
Depuis où t'en détend pour frapper, Aïs est levé dans ces mêmes gens. Un football à jeu, Aïs est pas négocié. Tous les mardis et vendredis soirs, de 7h à 8h30, sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs, de 7h à 8h30, sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs, de 7h à 8h30, sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs, de 7h à 8h30, sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs, de 7h à 8h30, sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs, de 7h à 8h30, sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs, de 7h à 8h30, sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs, de 7h à 8h30, sur la radio Nivana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Football Plus.
des tambours frappés, aïe, c'est levé, danser ces mêmes gens. Un football à jeu, aïe, c'est pas négocié. Tous les mardis et vendredis soirs, de 7h à 8h30, sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes. Tout à l'émission Football Plus avec Jean-David, le roi du sport. Football Plus, je suis ça, non. Tous les mardis et vendredis soirs, de 7h à 8h30, sur la radio Nirvana FM, suivez une émission sportive sur le football d'antan. Football Plus. Les confrontations, les face-à-face, les joueurs, les équipes.